On passe au quatrième exercice de l'énoncé toujours d'Asie de juin 2021. En cours d'éducation physique et sportive, donc en EPS, les 24 élèves d'une classe de 3e pratiquent la course de fond. Les élèves réalisent le test de demi-cooper. Ils doivent parcourir la plus grande distance possible en 6 minutes. Chaque élève calcule ensuite sa vitesse moyenne sur cette course. Le résultat obtenu est appelé VMA, vitesse maximale aérobie. Donc je ne sais pas si vous l'avez fait en classe, hein, mais c'est des choses qu'on fait en EPS. Après son échauffement, Chloé effectue ce test de demi-cooper, pardon. Elle parcourt 1000 mètres en 6 minutes, montrer que sa VMA est égale à 10 km par heure. Donc là, on me demande simplement de calculer une vitesse. Alors, il y a une formule hein, pour la vitesse, V égale D sur T. Moi, je vous conseille toujours plutôt de faire de la proportionnalité pour éviter les confusions. Donc, le tableau de proportionnalité, c'est très, très efficace parce que vous le maîtrisez. C'est pas long à faire. Vous savez que vous ferez le produit en cours à la fin. Et donc, c'est plus simple, généralement, quand on est en stressé, qu'on risque de paniquer et perdre ses moyens, d'utiliser quelque chose que vous faites depuis la sixième. C'est quand même bien plus rassurant. Donc, une vitesse, c'est une distance et une durée en parallèle, enfin, qui sont proportionnelles. On choisit la bonne unité. Donc, on veut une vitesse en kilomètres par heure, mais on me donne les choses en mètres et en minutes. Donc, moi, je vous conseille de mettre ça en mètres et en kilomètres et en minutes. Alors, 6 minutes, j'aurais pas besoin de le convertir. 1000 mètres, par contre, si. Donc, 1000 mètres, c'est pareil qu'un kilomètre. Et comme je mets mon tableau en minutes, une vitesse en kilomètres par heure. Donc, il faut que je mette qu'une heure, c'est pareil que 60 minutes. Donc, je fais mon tableau. Donc, on me dit que Chloé effectue 1000 mètres en 6 minutes. Donc, elle parcourt 1 kilomètre en 6 minutes. On veut sa vitesse en kilomètres par heure, c'est-à-dire qu'on cherche le nombre de kilomètres qu'elle parcourt en une heure, donc en 60 minutes, et je fais mon produit en croix. 60 fois 1 divisé par 6. Donc on obtient 10 kilomètres, puisque x est dans la ligne des kilomètres. Et ensuite on répond, hein, là, alors c'est la VMA, hein. La VMA de Chloé. Eh bien, de 10 km par heure. Voilà. Deuxième question. Donc là, il y en a plusieurs. Donc l'enseignante a récolté les résultats, obtenu les documents 1 et 2 ci-dessous. Donc document 1, c'est la VMA des filles, donc avec un diagramme en bâton. Et le document 2, c'est la VMA avec directement les valeurs, donc pour les garçons. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, on rappelle que les réponses doivent être justifiées. L'affirmation numéro 1, l'étendue de la série statistique des VMA filles de la classe est plus élevée que celle des VMA garçons. En fait, il faut simplement les calculer pour vérifier. Alors, l'étendue, je vais vous rappeler la définition. Hein. L'étendue, la différence. Entre la plus grande valeur de la série et la plus petite. Donc c'est le paramètre des séries statistiques qui est le plus facile à calculer. Donc pour les filles, on va calculer l'étendue. Donc, pour cela, il faut que je regarde la valeur la plus grande et la valeur la plus petite. Donc, la valeur la plus grande, il faut que je regarde le bâton le plus haut. Donc, je peux prendre ma règle, tout simplement, pour être sûr. Et je vois qu'il y en a plein qui sont égales à... Donc, entre 13 et 14, on a donc 13 années. Ensuite, la plus petite, je regarde le bâton le plus bas. Donc, c'est lui, ici. Et donc, c'est 9. Donc, du coup, on obtient 4,5. L'étendue pour les filles. Alors, l'étendue a la même unité que les valeurs. Donc, c'était des VMA. Donc, c'est 1 km par heure. 4,5 km par heure d'écart.
Donc c'est l'écart entre celle qui a une VMA la plus élevée et celle qui en a une la plus basse. On passe aux garçons. Alors pour les garçons, bah c'est simplement de repérer quel est le nombre le plus grand et le nombre le plus petit dans les valeurs qu'on vous donne. Donc c'est plus simple, il suffit de les regarder. Donc le plus grand, je vois qu'il y a 15 ici, il n'y en a pas au-dessus. Et le plus petit, je vois qu'il y a 11. Donc 15 moins 11. Attention à l'ordre, hein. L'étendue pour les garçons. De 4 km par heure. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie de conclure, puisque j'ai fait tout le boulot, mais il faut conclure. L'affirmation 1 me dit que l'étendue de la série des VMA filles est plus élevée que celle des garçons. Donc, ce qui est le cas, puisqu'on a 4,5 et 4. Donc, il suffit juste que je l'écrive. On a 4,5 plus grand que 4. Donc, l'affirmation 1 est vraie. On passe à l'affirmation 2. Plus de 25% des élèves de la classe a une VMA inférieure ou égale à 11,5 km par heure. Donc on pourrait penser que c'est un rapport avec les quartiles, hein, mais c'est plus au programme. Donc il faut simplement calculer. Donc si j'ai plus de 25% des élèves de la classe qui ont une VMA inférieure ou égale à 11,5, bah, il faut que je calcule. Faut que je considère les garçons et les filles. Il faut que je les compte. Combien il y en a qui ont une VMA inférieure ou égale à 11,5? Donc je vais garder chez les filles et les garçons. Donc je veux inférieur à 11,5. Donc Laura, c'est 10. Donc c'est inférieur. Ensuite là, j'ai 12,5. Donc ça ne marche pas. J'en ai qu'un. Au-dessus, au-dessus. Hein, donc 11,5, c'est là. Donc on me dit inférieur ou égal. Donc celle-là, elle compte. Donc j'en ai 2, 3, 4. 5 et 6. Il y en a 6 chez les filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on met, hein. Donc ça c'est la 2B. Il y a donc 6 filles qui ont une VMA inférieure ou égale à 11,5 km par heure. Donc il faut prendre les tâches petit à petit. Hein. La question, elle pourrait sembler difficile, mais si vous regardez simplement VMA inférieur à 11,5, vous pouvez bien compter combien il y a de garçons et de filles, ça c'est faisable. Ensuite, chez les garçons, bah, je regarde inférieur à 11,5, j'en ai 1, 2. Et il y a 2 garçons. Donc, il s'en fait 8. Hein. Il y a 8 élèves de la classe qui ont une VMA inférieure ou égale à 11,5. Kilomètres par heure. Alors si je veux un pourcentage, il faut savoir sur combien d'élèves. Donc on le met. Hein. Il y en avait 24. J'ai pas besoin de les calculer, c'est écrit dans l'énoncé. 24 élèves au total. Maintenant, j'ai plus qu'à écrire mon pourcentage. Donc vous voyez, on décortique la question petit à petit. Parce que là, il y avait plus de 25% et on parle ensuite de VMA inférieur à 11,5. Donc ça peut induire des confusions. Alors que si on prend difficulté par difficulté, on se rend compte que bah, c'est facile. On voit inférieur, VMA inférieur à 11,5, je compte les filles, les garçons, je compte au total et ensuite sur le nombre d'élèves, j'ai mon pourcentage. Et à la fin, simplement, on verra si ça fait plus ou moins de 25%. Alors je veux un pourcentage. Donc j'ai 8 élèves sur 24 fois 100. Donc je calcule et je compare. Donc 8 divisé par 24 fois 100.
on obtient environ 33,33 à l'infini. Donc là, je peux arrondir à l'unité. L'essentiel, c'est de comparer à 25%. On voit qu'on est bien au-dessus. Alors maintenant, je fais ma phrase réponse et je vais conclure. Donc environ 33% des élèves une VMA inférieure ou égale à 11,5. On compare. 33, c'est plus que 25. Donc l'affirmation 2 est vraie. Ce petit C. L'enseignante souhaite que la moitié de la classe participe à une compétition. Elle sélectionne donc les 12 élèves de la VMA la plus élevée. Lisa participe à la compétition. Donc il faut simplement repérer quels sont les 12 élèves qui ont la VMA la plus élevée et vérifier si Lisa, elle fait partie de ceux-là ou pas. Alors pour cela, eh ben, quand je vois la moitié des valeurs, ça me fait penser à la médiane. Donc je vais chercher la médiane et je saurai après dans quel camp se situe Lisa. Donc la médiane, est la valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif. L'effectif total ici, c'est 24, hein, puisqu'il y a 24 élèves. Donc, on peut partager la série en deux groupes de 12 valeurs. Donc, même effectif, 12 valeurs. La médiane, du coup, c'est la moyenne entre le numéro 12 et le numéro 13. Alors maintenant, il faut que je les écrive dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Alors, les plus petites, c'est chez les filles, on a dit, hein. Donc, la plus petite, c'est 9. Donc, j'écris petit, hein. Ensuite, 9, je vais avoir 10, j'en ai 2. Donc, je compare comme ça, hein. D'accord. Donc, je mets ma règle, 10, j'en ai 2. Je monte, j'ai 11. 11, j'ai 2 filles. Mais j'ai aussi des garçons. Donc je regarde chez les garçons. Chez les garçons, j'en ai 2. Maintenant, je vais regarder s'il y a des 11,5. 11,5 chez les garçons, il n'y en a pas. 11,5 chez les filles, il y en a une. Je passe à 12. Hop là. Chez les filles, il n'y en a pas. Chez les garçons, il y en a. Il y a 3 garçons. Ensuite, j'ai passé à 12,5. Donc, chez les garçons, j'en ai pas. Chez les filles, j'en ai une. On passe à 13. Chez les garçons, il n'y en a pas. Chez les filles,
il n'y en a pas. Donc on passe à 13,5. Donc chez les filles, j'en ai 4. Chez les garçons, il y en a un. Et ensuite, il y a des 14. Donc là, j'ai assez de valeur, hein, puisqu'il m'en faut 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et tous les autres, en fait. Voilà. Donc j'ai mes 12 valeurs. La médiane, c'est entre 12,5 et 13,5. Donc entre 12,5 et 13,5, ben, j'ai 13. La médiane est de 13 km par heure. Donc ça veut dire que j'ai 12 élèves qui ont une VMA supérieure à 13. Ainsi, la moitié de la classe. Une VMA supérieure ou égale à mes personnes à 13. Maintenant, il suffit de je vérifie si Lisa a une PMA, une VMA, pardon. Donc Lisa, ben, je regarde, elle a 12,5. Donc 12,5, ça ne fait pas partie des 13. Hein. Donc Lisa ne participe pas à la compétition. Et on répond que l'affirmation, du coup, elle est fausse. Ainsi, l'affirmation 3 est fausse. Voilà, donc l'exercice 4 est terminé.